quête terminée. Je pense que je vais faire le truc des trois cèdres. Du coup, je serai vers Elimite. Et j'en profiterai pour aller chercher le coffre. De cet enculé de héros mes couilles. Allez, téléportation. Ninja. Enfin, je vais vérifier. Allez, je me prends une petite clope. T'as raison. J'en profite pour vérifier que la quête est bien terminée. Une attaque de glace dirigée contre un ennemi de feu élimine. Ah. Je peux faire des attaques de glace, moi? Je pense que j'ai pas encore cette capacité. Allez, je prie tant que je peux prier. Plus d'endurance. Eh ben voilà. Ouh. Allez, on se retéléporte. Attends, je voulais vérifier justement. Zut. C'est bon. Alors, le secret des trois cèdres. Il existe une légende. Démon enneigé du village des Lémites. Voici ce que l'on raconte. Tourne le dos aux trois cèdres devenus un, puis avance vers la mer et triomphe de l'épreuve abritée dans la pierre. Ok, on va faire ça. Alors, du coup. Je me téléporte ici. Au final, le cheval, j'ai même pas besoin. Comment on peut se téléporter? Allez, petit. Les temps de chargement sont vraiment pas longs et ça c'est bien quoi. Ça c'est vraiment bien. Alors. Mon enneigé c'est là-bas. Ah les trois cèdres. Tourne le dos aux trois cèdres devenus un puis avance vers la mer. Donc j'ai pas besoin de monter tout là-haut, je pense. Je pense que j'ai pas besoin. Je sais pas. Oh, du loot. Y'a rien à faire ici. Pas un truc camouflé, non, y'a rien. Ok, j'ai fait le pont. Alors, tac, tac, tac. Alors, cette fois, on va essayer de résoudre cette énigme sans faire appel à Mère Seraph. Et sa capacité Google Plus. Les trois cèdres. Je peux les buter, ouais. Juste pour la blague, hein.
invulnérables. Les moutons sont invulnérables. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Allez, c'est reparti pour la grimpette. Allez, on reprend nos forces. Tac. Tac. Oh merde, j'ai froid. Merde, j'ai trop froid. Zut. Ne permettre pas d'y résister. Ok, il me faut que je fasse un feu. On va faire un feu. La meilleure armure du jeu, un pull en laine de ces moutons. J'avoue, ils sont invulnérables, indestructibles. Alors, fagot. Silex. Ou glaglagla. Là. Est-ce que j'ai un bâton? Évidemment, j'ai pas de bâton. Est-ce que je peux enflammer ça? Oui. Alors les trois cèdres. 1, 2, 3. Alors tourner le dos, se diriger vers la mer. Tourne le dos aux trois cèdres devenus un. Puis avance vers la mer et triomphe de l'épreuve abritée dans la pierre. Là c'est un étang. La mer. Ça peut être soit par là, soit par là. Là je leur tourne bien le dos là. 1, 2, 3. Là c'est par là. Hein. Scrappy. Ça c'est un gros arbre. Je vais y monter. Il y a peut-être un boucaquet. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Balancer dans la gueule. Merde. Tiens. Alors gravé dans la pierre. Ça doit être sur ce flanc de montagne peut-être. Étrange.
Allez, on va aller par là-bas. Je pense que ça va être dans une zone où j'entends où mon radar de sanctuaire va interagir peut-être. Je suis pas bien au centre. Ah, faut peut-être plonger de là-haut en fait. Peut-être. Sûrement plonger de là-haut. Perdu? Non, je suis pas perdu, je cherche ça. Tourne le dos aux trois cèdres devenus un, puis avance vers la mer et triomphe de l'épreuve abritée dans la pierre. Je pense que l'épreuve, ça va être un sanctuaire. D'ailleurs, un sanctuaire dans une zone. À mon avis, il faut que je plonge d'ici. Mais non. Ça ne marche pas. Ah voilà, c'est bon. Un peu perdu, un peu, ouais. Ouais, j'essaie de trouver le truc, quoi. Tourne le dos aux trois cèdres devenus un. Puis avance vers la mer. Ah putain! Nucréum, merci à toi, salut à toi et merci pour. Pour ce. Comment dirais-je. Cette remarque. Extrêmement pertinente. Ça veut dire que. C'est par là-bas. Donc ça va être par là. Putain, j'y avais pas pensé, devenu un, mais oui, il faut que je les aligne pour qu'ils ne deviennent qu'un. Putain, c'est toi qui as raison. Nucréum. Du coup, faut que je monte tout là-haut. J'ai pas forcément besoin de m'enfoncer dans le froid. Pour l'instant, ça va, c'est limite. Ah, sanctuaire à proximité. Que ferais-tu sans l'aide des viewers? Bah oui. Bah on peut pas penser à tout, surtout quand on est un peu naze comme moi après 3 heures de d'île de, perdue. Ah merde, je suis chaud dans le froid là. Ouais, je les vois plus là. Oh, il y a une fleufleur là. Où sont mes pommes?
Merde. Où est-ce que tu vas? Ne parle plus de cette île maudite. Oui, on n'en parle plus, on oublie. Alors, ça... Il y a un sanctuaire pas loin. Donc à mon avis c'est par là en fait. C'est quelque part par là. Je me demande si j'ai pas un truc. Peut-être qu'il aurait fallu que je cuisine un plat pour résister au froid. Bon, ici où ces putains de cèdres là, je vois plus rien là. Merde! Ah merde! C'est mon éventail qui s'est brisé. Attends, je vais retourner là. C'est con, j'ai plus de torches. Bon, je pense que le sanctuaire est dans cette zone où ça fait bip bip. Sauf que je n'ai pas la tenue adaptée. Philogie Selvaval, salut mec. Donc c'est là-bas, hein. C'est là-bas, sauf que je tiens pas le froid, putain. Il faudrait que je me prépare des petits plats. Vas-y, j'ai vu qu'il y avait de quoi cuisiner. Elle a rien pour cuisiner, elle, ici, là. Là, je peux cuisiner là-dedans? Non, je peux pas. Non, elle, elle a rien. Donc, dans le village, je crois qu'il y a des trucs. Que j'avais vu la marmite. J'avais vu une marmite. Elle est là. Elle est là. Il est vraiment beau ce Zelda. Ouais, moi je trouve aussi, ouais. C'est marrant, il y en a qui le trouvent pas beau et Je comprends pas pourquoi. Une louche, d'accord, c'est une arme. Florène, qu'a-t-il? Tu en as besoin? Ouais. Alors prends, je m'occupe d'expliquer ça aux habitants du village, pas question de te laisser mourir de faim. Ok, merci pour ton intervention.
Ah merde, faut que j'utilise le fagot. Ok. Alors du coup, tac. Ah, je vais pas le manger, je veux le prendre. Je vais prendre ça. Et je vais bourrer ça. On fait un truc qui tient longtemps. Viande épicée pic-pic et ça, je peux durer 10 minutes dans le froid. Vas-y, on va en faire un autre. Venez-en. Est-ce que j'ai autre chose qui booste? La chaleur. Impeccable. GG. Et encore 10 minutes dans le froid. Je peux tenir 20 minutes. Ah là, là, je pense que je suis pas mal. Allez, on s'y retourne. Dans les lacs, en fait, je me rends compte que faut toujours inspecter ce qu'il peut y avoir des coffres. Alors. Ça mange aussi si tu les manges nature, non? Non, je pense pas, non. Ça déclenche ses propriétés seulement si tu les cuisines. Je pense. Je suis pas complètement sûr, mais je pense. Je voulais pas les casse-pieds tout à l'heure. Au cas où je me trompe. Ok, le froid démarre. Alors attends, je vais frôler. Ah merde, je prends les dégâts déjà. Bon bah je vais manger tout de suite. Ah, ça va mieux, anti-froid. Ah oui, ça a vachement baissé la jauge, dis donc. Putain, ça marche bien. Hein. Du coup, je peux carrément me mettre pile poil comme il faut. Histoire de faire le truc propre. J'ai 10 minutes, je pense que ça va. Pas besoin de plus à mon avis. 5 minutes c'est plié. Enfin je devrais trouver. Si j'ai pas la poisse. Et que je tombe pas sur 15 000 et demi. Ah merde, je vais glisser. Ah non.
Attends, c'est quoi ça? Des baies, ok. Allez, on va monter à la mine, à la mano. Comme tous les taureaux, le taureau Link est super bien fait. C'est sympa. Oh, c'est pas foufou. Là, en plus, je suis même pas dans le rendu maximal de mon perso parce que je ne suis pas sur une machine suffisamment puissante pour lui mettre tous les effets. Donc, attends, là, je suis aligné là. Il est où le troisième? Ah, il est là-bas. Donc, c'est pile poil là. Et donc c'est pile poil cette direction, je dirais. Oula, ennemi costaud. J'en étais sûr, je vais perdre du temps. Un nouveau type d'ennemi, c'est rigolo. Queue bleue de Lesalphos. Lance les ailes robustes. Sauf que je ne peux pas transporter. Je vais me virer. Que ça, je me viens. Et ça, je pense, je viens. Allez, on se dépêche, plus que 7 minutes. C'est ça. Wow, wow, wow. Os de Lesalphos, ok. Boomerang les ailes robustes. Bouclier les ailes robustes. J'ai plus de place. Des nouveaux trucs. Comme pièce de collection. Ok, vas-y, je fonce. Je me demande si c'est pas ce gros bloc, peut-être. Je pense que c'est ce bloc là, non? Abrité dans la pierre. Ou alors c'est dans une grotte. Ça doit être dans une grotte un peu plus bas. C'est là, je pense. Champi glagla. Ah! Putain, ça me gèle. Ok, 5 minutes. Donc comme je disais, ça a été plié en 5 minutes. Magnifique!
C'est là. Oh putain, je l'ai réussi. Ah. Merci du conseil en tout cas. Eh oui, aligné en ne faisant qu'un. Voilà, le secret des trois cèdres, terminé. Ouais, du coup, juste après le sanctuaire, je vais aller chercher le coffre des héros. Le coffre des héros. Hey, merci, merci Raph. Tanoa t'accueille dans ce sanctuaire. Tu as surmonté l'épreuve. Ah bon? Ah, mais c'est parce que j'ai rempli la quête, en fait. Donc, il n'y a rien de méchant dans ce sanctuaire. Soulier d'escalade. Attends, mais je crois que j'ai la combinaison complète, putain. C'est bon, ça. Oh, du coup, je booste ma vitesse d'escalade. Pouvoir booster cet équipement aussi. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Ah. Ah merde, je mets les gels. Je suis obligé de mettre ça quand même. Ok, on se casse. Je vais me téléporter, je pense, de toute façon. Vas-y, lui, je vais le buter. Ça fait les objets. Allez, on se téléporte. Par rapport au sanctuaire d'hier, ça doit faire du bien des un peu plus simple. J'avoue, je suis complètement d'accord. Du coup, je vais ici. Bon, et puis après avoir récupéré le coffre, je vais checker vite fait les mini-quêtes secondaires que j'ai encore là. Et on est encore là pour 40 minutes de live. Donc du coup, c'est pas par là. Je prends ma combinaison d'escalade. Voilà. Du coup, je suis à combien d'armure? Je suis à 11. Alors, il est ouf. Je vais pas y arriver. Oh, quoi que si, peut-être. Si je peux le faire. Je peux y arriver. C'est juste que la chute va faire mal. Non, c'est bon. Oh, pile poil. Alors, on a dit. Est-ce que je le vois d'ici?
Je ne le vois pas. Et donc on avait dit à 17h, je me souviens à peu près d'où était l'ombre. 17h, l'ombre elle se calait plutôt par ici en fait. Voilà. Voilà, viens voir papa. Rubis doré. La cachette du héros terminé. Oh putain. Oh putain. Ah, je suis trop content. Ah, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Allez, ça c'est fait. Concours de débourrage. Ça c'est chiant. Alors, Prua vous a dit... excusez-moi, je baille. Je commence un peu à fatiguer quand même. Merci, Raph. On a réussi, merci, Raph. Putain, enfin. Putain. En fait, on s'en foutait de l'île de merde. Alors, Prua vous a dit qu'elle vous donnerait des trucs sympas en échange de matériaux antiques. Mais que sont ces matériaux et qui est ce Pharas dont elle parle? Interrogez Freya pour obtenir des détails. Vas-y, je vais faire ça. T'en auras fait de la route forcément. Oui, j'avoue. Vas-y, je vais me téléporter du coup au laboratoire. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais me téléporter. Ah, mais ça me plaît bien, voilà, quand on réussit les quêtes, tout ça. Mais j'avoue quand même que les quêtes, les énigmes sont quand même pas mal, quoi. Elles ont l'air faciles, mais elles sont pas si faciles. Et du coup, t'as une bonne sensation de satisfaction quand tu les réussis. Bon, même si là, on les a pas réussi vraiment de notre propre chef, mais... C'est pas si mal. Bonsoir. Toi, t'as une tête à poser plein de questions. Et les trucs sympas. Ah, voilà une bonne question. Si tu m'apportes des matériaux antiques, j'améliorerai les modules de la tablette. Je suis pas super génial quand même. J'ai besoin de 3 vis antiques pour améliorer le détecteur Shaker. Bah, j'en ai de ça. 3 arbres antiques pour améliorer les bombes à distance. Ah! 3 cœurs antiques pour améliorer le cinétis. Si t'as tout compris, alors bouge-toi les fesses et ramène-moi des matériaux. Ben je les ai. Faut peut-être lui donner comme ça. Vis antique. Voilà, je te les donne. Oui, Stiti. Voilà des matériaux. Ah oui, d'accord. Donc... allons-y. Tu veux que j'améliore quel module? Les bombes. Bon choix. C'est parti. Mais t'as pas les... Ah merde. 3 arbres antiques. Bon, le détecteur. C'est parti. Oui, Stiti. Fatigue. Oui, j'avoue. Là, la fatigue commence à arriver, là. Donnons un petit boost à ton détecteur, Sheikah. Oh. Oh. Oh.
Désormais possible de localiser toutes sortes d'éléments. Le détecteur réagit lorsque vous approchez de l'élément choisi. D'accord. J'ai mes vis qui sont toujours là, j'aimerais bien les ramasser. Le détecteur Sheka Plus, je veux absolument le voir. Ce serait sympa si tu pouvais montrer ton détecteur Sheka Plus à Cannelle. Ah merde. Non, 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 à plus. Oh putain, mais non, mais... Voilà. Bonsoir, tu as obtenu le détecteur Sheka Plus. Enfin, tu comprendras vite à quel point il peut être pratique. Encore 2 heures de live? Non, 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 non. Une demi-heure, pas plus. Mais je crois que rien ne vaut la pratique. Alors nous allons procéder à une petite expérience. Voyons voir ça. Pourrais-tu commencer par prendre en photo le champi piment qui pousse derrière le laboratoire? Ok, 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 ok. C'est qui Faras? C'est mon sous-fifre. Enfin, pour utiliser un terme plus officiel, c'est mon subordonné. Il étudie les gardiens tout au nord d'Akala. Enfin, je pense. Après tout, ça fait 100 ans que je l'ai pas vu. Tu veux savoir autre chose? Voilà des matériaux. Le cinétis. C'est parti. 3 cœurs antiques. Ah merde, j'ai passé. Attends. Elle m'a demandé quoi là? Vice antique. Rouage antique. Donc c'est pas ça. Arbre antique. Ah merde, j'en ai que 2. Et qui est antique, j'en ai qu'un. D'accord, ok. Bon, faut que je tue des sentinelles, quoi. Donc le journal. Ouais, d'accord. Bon, alors, photo. Derrière le laboratoire. Où est-ce qu'il est? Prendre en photo le champi piment qui se trouve derrière le laboratoire antique des limites. Il est où? Il est où ce con? Il est sur la roche. Module. Le truc qui brille. Je vois rien qui brille. Là, je suis derrière le laboratoire, on est bien d'accord. Il n'y a pas besoin d'aligner 3 laboratoires pour qu'ils ne deviennent qu'un, faire face à la mer et trouver une grotte de merde. La fenêtre derrière le labo. Ça, c'est une fourche. Euh,
Je ne vois pas. Tu vas voir que j'ai déjà ramassé, que du coup il a disparu. Bon, si je monte. Attends, c'est pas ça là des fois? Non, ça c'est des fleurs. C'est le râteau. Ah oui, non, ouais. Ça, je peux pas l'utiliser. Plus haut, peut-être. Plus haut ou peut-être plus bas. C'est pas là en tout cas. Toi, c'est bien. Voyons voir, c'est peut-être ici. Là, il y a quelque chose. Ça doit être un champignon qui pousse sur le mur, peut-être. Regarde, avec le téléphone, tu auras peut-être une indication. Ah, putain! On avait vraiment besoin de cette quête. Si seulement c'était pour prendre de l'XP, mais non! Y a pas d'XP, putain! Voilà, voyons voir, peut-être ici. Ah! Non, c'est une pomme. Non mais c'est un champignon. La quête un peu chiante, j'avoue, un peu relou, surtout quand tu vois le champignon, le mec il te dit c'est derrière le laboratoire, hein, tu vas le trouver en 2 secondes, y a pas de problème. T'as envie de re-rentrer, d'attraper le mec, de le sortir dehors, de lui foutre la tête dans la boue, la gueule dans la boue, Olivier. Il est où ton putain de piment, espèce de fils de chien? Et après tu le jettes par la falaise. Tiens, vas-y, trouve-le, tu sais. Je peux avoir une couronne à côté, mon pseudo. Une couronne? Bon, je vais analyser tout le pourtour de la muraille. Sors mon épée. Champi piment. Va te faire foutre. Je veux pas descendre là. Oh putain, je suis naze. Scrappy, tu veux être modo, c'est ça? Oui, oui, d'accord. Je peux ouvrir ça?
Ah, c'est toi, connard. Oui. Tiens, regarde. Ah merde. Si tu ramasses le champi-piment sans faire exprès, tu peux... Ah bah oui, je peux... Putain, mais c'est pas con ce qu'il dit là. C'est pas con du tout, putain. Encore faut-il que j'en ai. J'en ai, putain, j'en ai deux, quoi. Ah, putain, c'est pas con. En gros, je pourrais prendre en photo tout mon équipement, en fait. Voilà, connard, t'es content? La quête épique, les gens parleront pendant des milliers d'années la légende du héros qui tourne 6 mois à la recherche du champi-piment. C'est mieux YouTube. GG à celui qui a donné ce conseil. Parfait, tu as pris une bonne photo de ce champi-piment, merci. Ouvre l'encyclopédie d'Hyrule et regarde et règle le détecteur sur le champi-piment. Pour rechercher tous les champignons en proximité. Ah. Veux-tu m'en amener 3? Merde, mais putain, mais les développeurs, mais putain. Oh, les développeurs, mais sérieusement, mais les mecs, vous avez pensé à faire la quête? Oh, c'est trop bien, j'ai une super idée, je vais faire une quête. Déjà, ça va être très chiant pour le prendre en photo. Parce que du coup, le mec, il l'aura ramassé. Et en plus, je vais lui en faire ramasser 3 après, c'est trop bien, putain! Vas-y, je sauvegarde l'herbe. Putain, non, c'est pas ça que je veux faire. Encyclopédie. Champi-piment. Rechercher cet élément. C'est de la merde ce détecteur, mais putain! Bon, bah c'est par là. Faut que je descende, quoi. De quoi le tuer, le mec. Tiens, je vais défoncer le flamant rose. Look,
Je suis allé trop bas. Ah merde, il pleut. Je vais te tuer, Canel. Canel, je vais te tuer, toi et toute ta famille. Putain, je me suis... J'ai pris des dégâts sur la quête. Trouver 3 piments. Ah putain. Faut que je remonte. Modification de l'objectif en cours. De quoi? C'est lui là? T'es un champi piment toi? Non, t'es un tempo. Bon, sauf qu'il pleut donc je suis baisé. Oh putain, j'arrête pas de bailler là. Là c'est là j'ai le coup de barre qui est tombé. Quand c'est tombé, quand t'as le coup de barre qui tombe, c'est terminé quoi. Oh putain. L'eau ça mouille. Le feu ça brûle. Oh là 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 là. Je suis la crème des héros. Je pense que 30 minutes de live ne suffira pas avec cette quête de crotte. Ah putain. Arrête-toi. S'il te plaît, petit Jésus. Si tu pouvais faire en sorte que la pluie s'arrête, je te promets que je serai le plus gentil garçon. J'arrêterai de tricher à l'école. J'arrêterai de me masturber en pensant à ma prof de maths. J'arrêterai... Ah là 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 là. Arrête la pluie, s'il te plaît. Je vais lui faire la danse indienne. La danse d'arrête la pluie. Je suis à ça de dormir, mais moi pareil en fait. je suis pareil. Je pense que demain j'arrêterai plus tôt. Hein. J'arrêterai. Je pense que je. Maximum je fais 1h du mat. T'as vraiment pas de chat. Je suis très heureux en amour, ça c'est sûr. J'ai une petite femme qui m'idolâtre. Hein. C'est même plus de l'amour, c'est de l'idolâtrie. Bonne nuit, Scrappy. La pluie. Oh putain, la pluie s'arrête. Tu n'y crois pas. Et après, je vais aller buter Calais. Je suis curieux de savoir si je peux le buter en lui balançant une bombe dans... entre les fesses. Oh, j'en ai combien? J'en ai 3. Je suis au top of the pop. Il aime du radis, j'espère qu'il veut du radis aussi.
Silencio. Ok. S'il te plaît, Canel, je veux dormir. Tiens, putain, merde, on peut pas les buter. Bonjour. Tu m'as ramené des champignons piment. À demain, peut-être. Veux-tu bien me donner les 3 champignons piment? Non, mais pas question. Très bien, voilà ta récompense. 3 truffes max. Tu peux me rapporter 3 truffes max, s'il te plaît? Non, ce serait du genre... Tu peux me rapporter 4 truffes max? Comment c'est du détecteur? C'est de la merde. Ça pue. Quand tu auras le temps d'en discuter. Quête terminée. Merde, non, je veux pas te parler. Non, mais je veux pas te parler. Attends, j'ai un follower. C'est Yojimbo qui me follow. Tu me follow. Tu me. Putain, j'arrive plus à parler. Tu t'étais pas abonné déjà? Vas-y, je passe son texte parce que. Souhaites-tu que je répète? Oui. Va te faire enculer. Gratuitement. Mais j'ai tellement envie de savoir ce que ça va donner que t'as pas besoin de payer. D'accord. Attends, j'ai pas lu en fait. Il va me mettre un truc. Va donc activer la pierre guide. Où est Titi? Quoi, tu vas me faire quoi là? Ta merde, j'ai passé son texte, je croyais qu'il allait me dire de la merde et en fait... Ah, c'est des photos de l'encyclopédie, d'accord. Et du coup, ça va être quoi? Je peux mettre des hashtags dessus? Je peux taguer des gens? Nouveau. C'est tout? Je viens comme un touriste sur Twitch. Attends, c'était tout? Vieux fou. Oh. On dirait que les photographies de la pierre guide ont été définitivement déplacées. J'arrive même plus à parler. Alors réfléchis-y à 2 fois avant de les remplacer par tes propres photos. On n'est pas bénévole, je te signale, alors merci d'avance de participer au financement du labo. Ça en a tout l'air. Attends, je peux utiliser ça quand je veux? Non, d'accord, ok, bon. Alors, concours de débourrage, déployer pouvoir. Les voleurs de bétail. Nail, la bergère du vilain, s'inquiète de voir disparaître ses moutons suite aux incursions de monstres. D'après elle, les voleurs de bétail sont installés sur la plage des limites. Le troupeau ne sera en sécurité que lorsque tous les monstres de la plage auront été éliminés. Ça, c'est une quête qui me va bien. Amel ferait n'importe quoi pour attirer l'attention d'Onag. Allez demander à Onag ce qui lui plaît le plus. D'accord. D'apporter à Pharas les matériaux antiques que vous ramassez. D'Akala. Ah, il va falloir aller à Akala. Bon. Je vais tenter de rester jusqu'au bout. Mais là, j'arrête là. Il est 1h54. C'est bon, on n'est pas... C'est pas pour 6 minutes. Voilà, prochaine quête, ça va être tuer des mobs. Et ça sera très bien. C'est sur quelle plage là? Sur cette plage là?
Ouais, je vois, ils sont là-bas. Vas-y, je sauvegarde. Et c'est la fin du live. Je suis vanné, je suis cuit. La quête... Oui, mais ça me va, moi. Moi, c'est... Voilà. Je suis pas... J'ai pas besoin de photographier des tulipes. C'est pas ça qui va me transformer en héros. Ah. Alors ailleurs, tu me dis juste que je clique là, bon, ma tablette fait ça, voilà. T'as pas besoin de le transformer en Kate ou en plus j'en chie pendant 20 minutes. ok, c'est sauvegardé. Allez. C'est la fin du calvaire. Non, je rigole. Non, moi je m'amuse à chaque fois. C'est qu'il est quand même bien le jeu, il est quand même bien. C'est juste que là, putain, le tryhard de 3 heures sur l'île, ça m'a tué. Ça m'a tué. Quand je pense que l'île, j'aurais pu la torcher en une heure. Voire moins. Mais non. J'ai vraiment eu la poisse, sans compter cette boule qui se téléporte dans l'océan. Du coup, je me fais chier à prendre le bateau, et quand je prends le bateau, la boule, elle s'est reset. Merci Jésus. Merci Jésus. Allez les petits amis, ben les bisous à tous ceux qui sont encore là. Ben reposez-vous bien aussi, merci, je vais me reposer. J'ai les yeux tout blancs, ah ouais là je suis... île de merde. Et puis ben on se dit à ce soir pour la suite, hein, quelque part requinqué. Allez les gros bisous et à la prochaine. Bonne nuit. Je regarderai la rediff pour voir l'île. Ah ouais bof. Il y a 3 heures. 3 heures, c'est les 3 premières heures de la vidéo. Tryhard de chiasse. Allez bisous. À demain. Ciao.